C'est ici, dans ce logis royal de Loches, qu'Agnès Sorel et Charles VII ont passé quelques-unes des plus belles années de leur vie ensemble. C'est pas une petite servante qui va trousser comme ça dans un coin. Elle est la beauté faite femme. Un duo érotique, adepte du Kama Sutra. Agnès Sorel ne s'est pas contentée de faire un roi heureux. Elle l'a remis au combat, comme l'avait fait d'ailleurs Jeanne d'Arc. Nous allons voir que c'est certainement cette influence auprès du roi qui a précipité sa fin tragique. Agnès Sorel, la première maîtresse royale de l'histoire de France. Dans Secrets d'Histoire, demain soir sur France 2.